Une école de manga à Toulouse. Dès la rentrée prochaine, amoureux de la culture nippone ou simples fans de dessin pourront s'exercer à l'art si particulier du manga. À l'origine de l'initiative, une ancienne professeure d'art plastique. En fait, ça m'est venu, j'étais enseignante en collège et en lycée, donc jusque-là, d'art plastique. Et face à l'engouement des élèves, face vraiment à leur volonté, face au plaisir qu'ils prenaient dans les ateliers manga que je mettais en place entre midi et deux, je me suis dit que c'était vraiment dommage qu'il n'y ait aucune structure professionnelle qui propose des cours de manga à Toulouse. Trame, mise en scène et graphisme, tous les codes du manga sont abordés. Des codes qui font l'originalité d'un art apprécié du jeune public. J'ai découvert ça quand j'étais petite primaire et j'ai commencé à regarder à la télé. Puis finalement, je sais que ça existait en tome. Donc, et j'ai vraiment beaucoup aimé le style de dessin, vraiment minutieux. Puis en noir et blanc, les trames, tout ça. On va travailler par exemple sur de la mise en scène qui est très proche de ce qu'on retrouve dans les films. On va travailler sur des effets de cadrage, sur des effets de ralenti, sur des effets de temporalité. On va travailler sur des lignes de focus. Le but d'un manga en fait, c'est d'être percutant, c'est-à-dire dès qu'on ouvre une page, on soit happé par l'histoire et d'être très rapide à lire aussi. Donc c'est pour ça qu'on a un style qui est très proche justement du film pour plonger le lecteur dans l'histoire. Les apprentis mangaka repartiront avec leurs planches de dessin et pourquoi pas une nouvelle vocation.